Dans le livre de Job, au chapitre 23 et au verset 10, il est écrit « Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Ô ma sœur, ô mon frère, quelle glorieuse assurance nous avons dans ce verset. Combien je peux lui faire confiance quand j'ai la certitude qu'il connaît cette voie où je me tiens actuellement. Ce chemin couvert d'épreuves et de larmes, aussi tortueux, aussi encombré soit-il. Puisque dans Daniel, il est dit que la fournaise fut chauffée 7 fois plus qu'il n'était habituel de la chauffer, j'ai cette ferme conviction qu'il éclaire toujours mon sentier. Tu as un guide tout-puissant qui connaît tes voies et qui dirige chacun de tes pas. Que ceci te conduise aux eaux amères du puits de Mara ou alors à Élim, le lieu de rafraîchissement et de joie. Pour les Égyptiens, la route est sombre, alors que pour le peuple de Dieu, pour toi, elle est éclairée par les colonnes de nuée et de feu. Malgré la chaleur torride de la fournaise, je ne peux que faire confiance à la main qui a allumé le feu et me tenir dans l'assurance que les flammes dévorantes ne consumeront rien et ne feront que tout épurer, tout purifier dans ma vie. Et lorsque le processus de raffinement sera terminé, je sais que j'en sortirai plus pur que l'or. Quand j'ai l'impression que Dieu est très loin de moi, c'est souvent qu'il est au contraire le plus proche de moi. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Tu connais chacun de mes pas. Connaissons-nous quelqu'un d'autre capable de briller plus fort que le plus radiant des soleils, de venir à notre rencontre dans le secret de notre chambre, à la première lumière du réveil, de nous entourer d'une infinie tendresse, de nous prêter une attention remplie de compassion tout au long du jour et qui connaît la voie où nous nous tenons. Si seulement je pouvais voir ce que Job vit au cours de ses dures afflictions. En effet, Job ne voyait que la main de Dieu. Derrière l'épée des Sabéens qui avait attaqué ses serviteurs et ses troupeaux, la main de Dieu. Derrière l'orage dévastateur, la main de Dieu. La main de Dieu encore dans le terrible silence de son foyer anéanti. Voyant ainsi Dieu en toutes choses, Job a pu dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » Que le nom de l'Éternel soit béni. Cependant, la foi de celui qui autrefois avait été le prince puissant du désert n'atteignit le zénith que lorsqu'il se fut assis dans la cendre. Il était encore à même de dire, « Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. » Lorsque ta vie disparaît aux yeux des hommes, pour ne devenir que cendre dans les mains de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu peut accomplir son œuvre et son plan dans ta vie. Il va prendre les cendres de ta vie livrées à lui. Il va prendre les cendres de ton cœur brisé. Il ne va pas les jeter comme le ferait le monde, non. Jésus va les recueillir dans des bols d'or. Jésus recueille toutes tes fatigues. Jésus recueille tous tes découragements. Il recueille toutes tes larmes, tes œuvres que tu as faites par amour pour lui. Il recueille aussi toutes les paroles méchantes qu'on a dit sur toi et qui t'ont fait pleurer. Il recueille aussi toutes les injustices que tu as subies et qui t'ont blessé, tant meurtri à l'intérieur. Jésus ne les jette pas, mais il les garde précieusement dans des bols d'or. Jésus ne va pas jeter toutes ces cendres produites par la difficulté, par les épreuves de la vie, par les persécutions, par les médisances, par les rejets. Au contraire, il les garde précieusement dans des bols d'or.
C'est à ce moment-là que le diable va venir te dire, comme il a dit au peuple d'Israël dans Néhémie 4, « Dieu redonnera-t-il vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tu entendras sa voix te dire, te murmurer à ton oreille, « Dieu redonnera-t-il vie à ta vie, ensevelie sous des monceaux de poussière consumés par le feu de l'adversité ?» Tu es tellement épuisé, tellement fatigué, tellement persécuté, les combats sont tellement forts, et c'est à ce moment-là que Dieu va faire un miracle. Parce que Dieu peut redonner la vie à la poussière, Dieu peut redonner la vie aux morts, Dieu peut redonner la vie à tout ce qui est mort, à tout ce qui est vain, inutile, méprisable aux yeux des hommes. Il va prendre les cendres de ta vie que les hommes ont piétinées, écrasées, jetées au vent. Il va prendre la poussière de ton cœur brisé et humilié, et il va souffler comme il a soufflé dans les narines d'Adam, un souffle de vie. Et tu vas devenir un instrument de vie pour sa gloire. Car par la puissance qui agit en toi, maintenant, tu peux faire infiniment au-delà de tout ce que tu as demandé ou même pensé depuis toutes ces années. Dieu est avec toi. Qui sera contre toi? Que Dieu te bénisse. Amen.